Hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai reçu un colis et j'ai hâte de vous montrer. Donc c'est un colis de la marque Teddy Blake New York. Je suis super contente, merci à la marque Teddy Blake de m'avoir fait confiance. Et donc c'est une marque de sac à main fabriquée en Italie et je vais vous montrer le modèle que j'ai choisi. Alors déjà c'est super bien emballé, vous voyez, ils ont rajouté la protection, ça c'est génial. On voit déjà la couleur là, hein. Roulement de tambour, c'est celui-là. J'adore vraiment la couleur, alors c'est la couleur Apple Green. Comme vous pouvez le voir ici, donc on a la marque Teddy Blake New York. J'adore, donc il y a ça que j'ai rajouté. Pareil, le petit cadenas, super mignon. Et on sent vraiment que c'est de la qualité, donc c'est en cuir, vous voyez. Et là, sur les côtés, on peut ouvrir pour agrandir un petit peu le sac. Hop. Je suis trop fan, franchement, j'aime beaucoup trop. Regardez à l'intérieur du sac, donc déjà je peux le mettre en bandoulière. Moi j'adore les sacs en bandoulière, c'est super pratique. À l'intérieur il y a une matière, je pense que c'est du daim, je suis pas sûre mais j'ai l'impression que c'est du daim. Et il y a deux poches. Teddy Blake est une marque de sacs à main de luxe à un prix équitable. Sur le site internet vous pouvez découvrir les différentes collections, il y en a une nouvelle chaque mois. À savoir que les sacs sont fabriqués avec du cuir italien haut de gamme par des artisans expérimentés. Et je peux vous dire qu'on sent vraiment la qualité. Regardez-moi tous ces petits détails. J'adore. Ce qui est bien avec le cuir en plus, c'est que ça résiste à l'épreuve du temps. Avec le code TBNATI30, vous bénéficiez de moins 30$ de réduction. Profitez-en. J'ai déjà repéré un autre sac. Je sens que je vais craquer. Et en tout cas, si jamais vous cherchez un beau sac à main, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de Teddy Blake. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et surtout, vous n'allez pas être déçus. Bon, sur ce, je m'en vais. Je vous reprends. Oh là là, une touffe curly vraiment. Donc là on se dirige au restaurant rooftop. J'espère qu'on aura le beau coucher de soleil. Bon la team, on va manger tout là-haut. Vous allez voir la vue. Normalement là on est au bon moment au coucher de soleil. Si tout se passe bien. Un sourire vraiment éclatant. Merci. Une fourrure vraiment... C'est de la fausse fourrure. Ouais. Un sac vraiment... Elle est vraiment bien, j'aime bien la couleur. T'as vu? Ça change, hein, parce que moi j'aime bien le noir, mais là je me suis dit, allez, non, un peu de couleur, ouais. Un peu de folie. Ouh, c'est où on va là? Après la CN Tower, les enfants terribles. Je te jure. On prend encore l'ascenseur. 44. Waouh. Waouh. Wow. Il y a une belle vue là. Une très belle vue. Je sais pas si c'est. Non, c'est haut quand même, 44. Ouais, c'est très haut. Mais t'as vu, il y a 46. Je sais pas, il y a quoi au 46. Je sais pas. Allons voir. Regardez le coucher de soleil. Magnifique. De regarder un petit peu la carte, il y a pas mal de choses, on sait pas encore ce qu'on va prendre mais on va faire notre choix. Déjà un cocktail déjà pour commencer. John, est-ce que tu as faim? J'ai trop faim. Qu'est-ce que t'as pris? T'as pris quoi comme cocktail? Jus de vie, genre jus d'ananas, purée de fraise et jus d'orange. Ok, ça a l'air pas mal. Pas mal tout ça. T'as dormi quoi toi? Moi j'ai pris catamaran, je voulais voyager un petit peu. Bon, on va goûter le catamaran. Ça a l'air moyen. En fait, comme il y a de la mousse, ça m'a un peu surpris. Ah bah je vais goûter aussi bien. Allez, c'est parti. À mon tour. Au tour de John. Perturbant. Mais oui, en fait, c'était le temps que je bois la mousse.
Moi, c'est très citronné. Elle est bon. Elle est bon ? Ouais, elle est bon. C'est vrai que la mousse, ça perturbe. Bah oui, c'est ça. Jumping all the way in too deep. I hope you're not missing these signs. Cause I wanna keep you close to me. Baby, nous y sommes. Nous y est. Et toi? Bah moi à la base, hein, le poulet c'est trop bon. Poulet avec une petite portion de frites à côté. Et voilà. Bon appétit. Ah, c'est bon les fêtes. Bonne. On a bien mangé. T'as bien mangé? Très bon. Ouais, et le spot il est super beau parce que vous avez la vue sur tout Montréal quasiment. Ouais, là on a le vieux Montréal en vue. Ouais. On a le pont là-bas. Jeune, il aime bien le pont bleu. Ouais. Il est en train de me dire j'aime bien, je sais pas c'est quoi comme pont, mais moi non plus je sais pas. On cherchera sur Google. Ouais. Alors les amis, pour une frite, un demi-poulet, une bavette de bœuf et deux cocktails, on en a eu pour 112,68$. On a pris pour le dessert Häagen-Dazs, mangue, raspberry, des framboises et les Eggo. Ceux-là, on les adore. Donc là, direction la maison. Regardez nos petites séries. La team, en tout cas, on espère que ce vlog vous aura plu, que vous avez retenu l'adresse surtout. Et que cette adresse vous a donné envie d'y aller. En tout cas, nous, c'était la deuxième fois qu'on y allait. Et c'est super cool si on veut profiter d'une belle vue sur Montréal. Nous, c'est vrai que la terrasse, en vrai, on a la même vue. Ouais, de notre condo. Ouais, de notre condo. Donc, si vous aimez bien un petit peu les restaurants type rooftop, je pense que c'est une très bonne adresse. Ouais. Si vous y êtes déjà allé, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. C'est ça. Je crois aussi, vous pouvez, pas seulement manger, je crois que vous pouvez prendre un verre ou juste chill. C'est ouais, peut-être bien. Manger un repas, mais donc voilà. Nous, on va aller au sauna à la piscine ouais, encore une fois. On peut chill à la piscine. On se dit à la prochaine. See you. Look, look, I'm stuck up in my feelings. Okay, I'm gonna make